Tous les chiffres que l'on donne en ce moment sont hors normes. On verra ce matin ce que donnent les immatriculations de voitures neuves au mois d'avril, sachant que les concessions sont fermées. L'automobile joue sa survie en ce moment, estime Luc Châtel, l'ancien ministre qui est aujourd'hui le président de la plateforme automobile, un syndicat de professionnels du secteur. L'onde de choc est terrible dans la filière automobile, puisque nous avons eu une activité au mois de mars qui a été en recul de 70%, et elle sera au mois d'avril de l'ordre de moins 90%. Pourquoi ? Parce que les points de vente sont arrêtés depuis le 15 mars et les usines de production, par voie de conséquence, sont arrêtées. Donc l'impact sur l'ensemble de l'année, il est de l'ordre d'une baisse, sur le marché mondial d'ailleurs, de l'ordre de 30 à 35%. Ça veut dire que ça nous ramène à des niveaux de volume de vente de véhicules automobiles qui était celui au début des années 2000, il y a près d'une vingtaine d'années. Donc voilà la conséquence du coronavirus sur l'industrie automobile. Luc Châtel, invité de l'interview Écho d'Europe 1 au micro, et d'Aurélien Fleury.